Nouvelle vidéo aujourd'hui, hein, on est quel jour déjà? Mercredi, enfin je tourne ça mercredi, donc je la posterai vendredi soir, hein. Voilà. On va parler des potes. Ouais, parce que c'est écrit dans le titre, bien sûr. Je suis con. Pourquoi des potes? Parce que des fois ils font vraiment des coups de bâtard. Hein. Ouais. Quand j'en pense à 2-3. Ou des fois ils balancent, ou des fois devant vos parents bah, ils font style que c'est des gars bien qui ne fument pas, qui boivent pas. Enfin, moi je fume pas, je bois pas, je fais pas de conneries. Jessie, t'essayes de pas te faire de conneries quand même. Pas que j'essaye, c'est que j'en fais pas. Arrête, 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 arrête. Toi, tu vas faire quoi, toi? Rien. Et toi? Sinon, aussi, quand tu dors chez un collègue, c'est pas la même chose que quand t'invites chez toi, tu vois. C'est vraiment l'opposé. Quand tu dors chez lui, bah, je sais pas, t'es pas pareil. On va dire, t'es plus poli, tu t'embrouilles moins avec ses parents. Bon, après, je veux dire, c'est un petit peu normal. Moi, quand j'invite un ami chez moi, c'est à 2 doigts si je me prends pas des claques. Hein. À 2 doigts. Chez les autres, hein, je ne sais pas, hein, c'est comme ça, je sais pas si ça vous arrive. Mais j'aime bien ranger la chambre des autres. Voilà. Et quand je vois ma mère, bah, elle me dit. Jessie, pourquoi tu ranges la chambre des autres? Hein, pourquoi? Et pas la tienne? Bah non, parce que j'aime bien les autres et ils aiment bien faire ménage et voilà, hein. Sinon, on a tous un pote qui est vraiment con. Ouais, j'ai un pote, il est vraiment con, vraiment. Enfin, même la plupart de bah, tous mes potes, en fait. Bah de toute façon, moi je suis con avec eux, donc comme ça voilà, on est tous pareils. Tes potes, y a pas des moments comme ça. Y a pas que des moments comme ça. Y a aussi des moments où t'es tranquille. Genre quand tu lui dis je t'achète un bonbon et lui t'achète rien. Tu vois, quand il fait le radin surtout. Genre la dernière fois, j'étais à la cafétéria de mon lycée et tout. Et j'ai dit à mon pote, ouais, mais la dernière fois, je t'ai payé un. Un cappuccino. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit. Il m'a dit, excuse, mais j'ai que l'argent pour moi. Donc dans ma tête, c'était à peu près comme la corruption. Non, mais pourquoi c'était la corruption? C'était vraiment la Troisième Guerre mondiale. Ouais. Troisième Guerre mondiale. Elle est passée la Troisième Guerre? Ouais, je sais plus. Sinon, avant, je me souviens, mes potes, ils faisaient les coups de bâtard quand j'étais en kiff sur une fille. Alors, le délire, c'est que. Je pense que vous avez tous vu, quand t'es en kiff sur une fille et tous tes potes crient. Y'a un gars dit Jesse, oh, y'a un gars dit Jesse, oh, y'a un gars dit. Dans la tête, toi, tu te dis. Non, c'est pas ma gay. Non, je t'aime pas, je t'aime pas. Dans ta tête, tu te dis, bah putain, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai dit ça? Voilà. Mais bon. Voilà. Ça, c'est des potes qui sont pas très gentils. Non, parce que moi, je suis gentil. Moi, je suis très gentil. Disons avec mes potes, on se bat! Comme ça, après moi j'esquive, tu vois, j'esquive et voilà. Ah, sinon, faut que je vous raconte des choses avec des potes. Il y a longtemps de ça, il y a 3 ans de ça. Et bah, moi, notre pote, on était sur un vélo. Et on s'est pris un poteau. Ouais, un poteau. On descendait une pente qui était virgile. Pourquoi si virgile? Oui, je disais, on descendait une pente et tout. Et là, dans ma tête, c'était soit je me prenais le poteau, ou soit je prenais la voiture. À votre avis, je vous laisse dans les commentaires, j'ai pris quoi entre les deux? Et là, j'ai vraiment bouffé une barre. En même temps de la taper, hein. J'ai dit, wesh, poteau. Résultat des comptes. Putain, mais tu t'es cru pour une dans la banque ou quoi? Bah, résultat, mon côté gauche paralysé de haut en bas. Voilà. Voilà. Voilà, avec les potes, c'est. Voilà. Mais les potes, les potes. Moi, j'ai toujours des délires chelous. Alors, quand je dis délire chelou, c'est vraiment chelou. Genre, on se met à crier dans la ville, comme ça. Ou sinon, on crie dans le bus. Des délires chelous, quoi. Ouais, on est vraiment chelous, les gars. Ou des fois, je zone. Je zone. Je zone solo. Ouais. Sans amis. Je rigole, je t'excuse. Non, je rigole. Enfin, non. Ou sinon, il y a les potes qui sont pauvres et les autres qui sont. Je vais pas te dire riches, mais plutôt aisés, tu vois. Tu vois, quand tu dors dans un lit à duplex. À duplex. Je sais plus. C'est à duplex. La différence entre, tu vois, moi je suis trop riche. Lit Ikea. Non, même pas ses buts. But! Bref, je disais, il y a une différence quand tu dors dans un. Y a une différence quand tu dors dans un lit à duplex. Ah, du. Putain, j'y arriverai jamais. Je disais, il y a une différence dans un lit à duplex parce que quand tu bouges comme ça, et bah t'entends.
C'est pour faire le bruit. Quand tu dors dans un lit normal, bah t'entends plutôt ça. Sinon, moi, ce qui m'a toujours fait marrer, c'est la position quand les gens dorment. Je vous jure, des fois, on se demande qu'est-ce qu'ils font. Et un jour, un pote, bah en fait, il dormait tellement bien que... Voilà, pas besoin de vous faire dessin, vous avez tous compris. Hein. Et ouais, il en bavait. Je vais pas dire que je bavais pas, hein. Moi aussi j'ai déjà bavé. Je suis un mec qui range très bien sa chambre. Voilà, la vidéo est terminée. Donc, si elle t'a plu, mets un j'aime, partage-la, abonne-toi et vas-y mec.